Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour cette deuxième semaine du mois de novembre, nous sommes lundi 7 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors cette semaine, eh bien j'ai pris l'oracle de l'énergie et on terminera avec le message de ton âme. Mais avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Alors j'ai pigé pour ce lundi l'ange de l'équilibre à l'endroit, parce que dans cet oracle, il y a l'interprétation à l'endroit et les cartes qu'on peut tirer à l'envers. Donc je l'ai pigé à l'endroit. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Alors, vous pouvez remarquer, vous pouvez voir sur le graphisme, eh bien, un ange, oui, un magnifique ange qui tient une carafe de lumière, lumière liquide. Et elle est debout, en fait, devant, eh bien, une pyramide, ou des, oui, non, j'en vois deux, trois, devant trois pyramides. Eh bien, cet ange vous rappelle qu'un destin puissant, mais vraiment un puissant, repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans votre passé, eh bien, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Soyez-en certain. On vous demande de rester conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique ainsi qu'émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, eh bien, on vous invite à faire appel à ce bel ange au fond de votre cœur, votre intuition, eh bien, elle vous guidera. Elle vous guidera dans la bonne direction. Et de surplus, ce bel ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Donc, n'ayez pas peur de faire appel aux anges et notamment à ce bel ange de l'équilibre, n'est-ce pas? Si vous ne sollicitez pas les anges, ils ne viendront pas à vous. C'est comme les archanges, si vous ne les sollicitez pas, ils ne vont pas prendre l'initiative de venir, non. Parce que pourquoi? Parce que vous avez le libre arbitre. Ce n'est pas eux qui ont le libre arbitre, c'est vous seul. Et si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous. Moi, je peux vous dire que tous les jours, je sollicite mes anges, je sollicite les archanges, tous les jours. Et j'ai l'impression qu'ils m'entendent là-haut. Et il y a des jours où, je passe de meilleurs moments parce que bon voilà, je me dis ah là ils m'ont entendu, ils sont venus à moi et ça demande peut-être un peu plus de temps parce que vous le savez et si vous ne le savez pas, là-haut il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de calendrier là-haut. Donc c'est pour ça qu'il est important, quand vous sollicitez un ange, ou les anges, ou les archanges, ou votre
Je ne sais pas, les maîtres ascensionnés ou votre guide, il est important toujours à la fin de dire ici-bas et maintenant, c'est important parce que là-bas, là-haut, l'heure n'existe pas et le temps n'existe pas. Donc voilà, il y a un très beau message de l'ange de l'équilibre, n'est-ce pas, à l'endroit pour ce premier jour de cette semaine. Et je termine avec le message de ton âme. Et là, je pige se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ben voilà, c'est un petit peu en synchronicité avec l'ange de l'équilibre, n'est-ce pas ? Se respecter, s'équilibrer, donc voilà, le hasard n'existe pas. Allez, je vous souhaite une toute belle journée. Si vous avez aimé cette capsule, mettez-moi un pouce parce que ça permet à l'algorithme de faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.